Bonjour à tous, on se retrouve pour tester un nouveau produit au champ du oiseau rouge. Aujourd'hui, on va tester le riz long grain incollable. Prétend que c'est incollable. Belle présentation avec un bol de riz et une feuille de persil. Nutri-score A, c'est du riz. 5 sachets cuisson de 200 grammes, 5 fois 200, ça fait 1 kilo. 5 sachets, 10 minutes. Limite, on va voir qu'est-ce qu'il nous raconte sur les côtés. Boîte à recycler, ok. Riz long, grain étuvé de qualité supérieure. Ouh. 100% ingrédients, 100% de riz long, grain étuvé, origineux ou Amérique du Sud, voire sur le côté de l'étui. Sur le côté de l'étui. Oui, c'est là. Ori numéro du lot et origine. Voilà, c'est là l'origine. Ça aide vachement. Conseil de conservation, craint la chaleur et l'humidité. Ou bien, conseil de préparation, un sachet pour 2 ou 3 personnes. Porter à ébullition 1 litre d'eau légèrement salée. Plonger un sachet de riz à laisser, et laisser cuire à feu moyen pendant 10 minutes. Sortir le sachet à l'aide d'une fourchette et laisser égoutter. Ouvrir le sachet et accompagner selon la recette choisie. Valeur nutritionnelle, donc 100 grammes cru. 100 grammes cru. T'es cru. Une portion soyeuse. Bon, plus d'or, c'est dire 100 grammes. Ah oui, quand même, valeur énergique 355 kilocalories. Alors qu'un sachet, c'est 200 grammes. Matière grasse, glucides donc, mais il y a quand même beaucoup de glucides. 79 grammes de glucides, fibres alimentaires 1,5 grammes, protéines 7,3 grammes. Valeur de référence, ce paquet contient 15 portions de 6, 66,7 grammes. Bon, bah ouais, c'est du riz. Hein. De l'autre côté, qu'est-ce qu'ils nous disent? On vous en donne plus. Le riz long grain étuvé est un riz qui ne colle pas et dont les grains ne se séparent facilement et restent fermes. C'est grâce à un procédé d'étuvage traitement du riz cru par la vapeur que l'on obtient ces qualités. L'étuvage rend les grains légèrement dorés qui redeviennent blancs après cuisson. Donc on devrait avoir du riz qui n'est pas blanc, mais un peu doré. Pour ouvrir, il y a la petite languette là. Donc, on va l'ouvrir. On va relever et puis tirer. Ça devrait s'ouvrir en deux. Magnifique. Super. Super. Ça s'ouvre vachement bien. Magnifique. Magnifique. On va prendre l'autre côté. On va essayer. C'est pas sûr que ça fonctionne. Mais bon, on va faire ça. On va faire ça comme ça. Hein. Magnifique. Bon, c'est pas au point la ouverture. Hein. Ah, il fallait prendre des deux côtés. Oui, ben, d'un côté, ça fonctionnait pas bien. Ah oui, ça permet de fermer après, oui. Et là, ça permettrait de fermer après. C'était pas au point. Et bien, comment on ouvre? Là, j'ai ouvert, mais comment on ouvre? Ça a l'air d'être coincé. Qu'est-ce que c'est que ça? Faut tirer, il faut. Je suppose qu'il faut décoller parce que bon, on va décoller. Qu'est-ce que c'est? Bon, pas sûr. Ah, bordel. Bon, pas sûr que ça soit comme ça. Voilà. On va sortir un sachet. On va le poser sous. Effectivement, il est doré. Normalement, la cuisson, il devrait devenir jaune, blanc. Tu fais des grands. Oui, bon, ils sont moyennement grands, on va dire. Ils sont plus grands que certains. Oui. Sachet bien grand, hein, ça. Il y a quand même pas mal d'espace. Je sais pas si ça va prendre du volume. Mais bon, plus qu'à mettre dans de l'eau salée, le faire bouillir pour 10 minutes, et on aura notre riz qui sera prêt. Si vous avez aimé mon test du riz long grain incollable, alors soyez incollables, mettez un like à ma vidéo et abonnez-vous à ma chaîne pour que je vous donne d'autres idées de produits à tester. Je vous dis à la prochaine fois.